is a call. C'est un appel. A call. C'est un appel. For daily holy living. C'est un appel journalier pour une vie saine. A call for daily holy living. Un appel pour une croyance journalière. I don't know the call of God in your life. Je ne connais pas l'appel de Dieu dans votre vie. Not long I watch a man of God. Ça fait pas longtemps j'ai écouté un homme de Dieu. Who explained to the whole universe the call of God upon his life. Qui expliquait à tout l'univers l'appel de Dieu dans sa vie. He said, apart from the call, you know, to make people to enter the kingdom of God, the actual call of God upon his life is to bring everybody together, the Hindus and all, so that the world may have peace. So that the world may have peace. That was the call of God upon our life. But today, I've come to let you know that the call of God upon everyone that wants to see God on the last day is a call to or for daily holy living. The call of God of in the life of everyone that wants to see God on the last day. L'appel de Dieu dans la vie de tout chacun qui aimerait voir le dernier jour is a call unto daily holy living. C'est un appel pour une vie journalière sainte. But I've come to understand. Mais j'ai finalement compris que there is no way anyone can actually understand this call. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un peut comprendre cet appel. And there's no way that any child of God can live a holy lifetime until you understand he that gave you the call. You cannot live the life of that call. That's what you need to understand. Celui qui t'a fait appel, until your eyes is open to see he that called you. That's what tes yeux sont ouverts pour voir celui qui t'a appelé. You cannot actually understand the call and live by that call. Vous ne pouvez pas comprendre cet appel et vivre avec cet appel. The reason why some of us are not able to live a holy lifestyle. La raison pour laquelle certains ne peuvent pas vivre une vie saine is because our eyes have not been open to see the one that calls. C'est parce que nos yeux n'ont pas été capables de s'ouvrir pour voir celui qui nous a appelé. Our eyes have not been open to see where we are actually going to. Nos yeux n'ont pas été ouverts pour voir actuellement la direction à laquelle nous allons prendre. Until you see him. Jusqu'à ce que vous le voyez. And know what he wants you, the kind of life he wants to live. Et savoir quel genre de vie que celui-là aimerait que vous viviez. You cannot live such a life. Vous ne pouvez pas vivre ce genre de vie. You can be a prophet. Vous pouvez être un prophète and yet not live a daily life, a daily holy lifestyle. Vous êtes capable de vivre une vie journalière sainte. You can do anything for the Lord. Vous pouvez faire tout pour le Seigneur. Yet you are not living according to that daily holy lifestyle. Mais vous ne vivez pas selon cette vie journalière sainte. The Bible made me understand about somebody in the Word of God. La Bible m'a fait comprendre par rapport à un homme de Dieu dans la Bible. Somebody who was called by God. Quelqu'un qui a été appelé par Dieu. Doing the work of God. Faire le travail de Dieu. Until a day came. Jusqu'à ce qu'un jour est venu. When his eyes was open. Lorsque ses yeux se sont ouverts, to see the God that called him, de voir le Dieu qui l'a appelé, to see the form of the God that called him, de voir la forme de Dieu qui l'a appelé, he never understood the life up to me. Il n'avait jamais compris la vie qu'il était supposé qu'il devait vivre. And I pray today, et je prie aujourd'hui, as this word is coming to us. Comme cette parole a été venue vers nous. Just as the eyes of that man was open. Bien que comme les yeux de cet homme. And he now understood the kind of life he ought to live. Il a compris le genre de vie qu'il doit vivre. May the Lord also open our eyes today.
que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux également aujourd'hui. In the name of Jesus Christ. Amen. The Bible tells us in the book of Isaiah chapter number 6. La Bible nous dit dans Isaïe chapitre 6. From verse 1 down. À partir du verset 1. In the year that King Hosea died, I saw also the Lord. L'année où le King Hosea mort, j'ai vu le Seigneur. Sitting upon a throne. Ha! J'ai vu le Seigneur assis à le trône. And lifted up. Il a été élevé. And his train filled the temple. Et son train a rempli le temple. Verse 2. And above it stood the seraphim. Each one has six wings. With twine he covered his face. And with twine he covered his feet. And with twine he did fly. Verse 3. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Verse 4. And the post of the door moved at the voice of him that cried. And the house was filled with smoke. Then, verse 5. Then said I, what is this? For I am undone, because I am a man of unbelief, and I dwell in the midst of a people of unbelief. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. This man never understood the call of God upon his life. Cet homme n'a jamais compris l'appel de Dieu dans sa vie. Though he was prophesied, malgré qu'il prophétisait, though he was respected by everybody, malgré qu'il était respecté par tout le monde, he never knew the life the Lord wants him to live. Il n'a jamais su le genre de vie que le Seigneur voulait qu'il vive. Why was it a decade? La Bible dit qu'un jour est venu où? That King Uzziah died, que le roi Osée est mort. The veil of his eyes was taken away. Tout ce qui est dû sur ses yeux ont été pris. The Bible said his eyes was open. La Bible dit que ses yeux étaient grandement ouverts. To see the Lord. Pour voir le Seigneur. What kind of God did he see? Quel genre de Dieu est-ce qu'il a pu voir? The Bible said in verse 3. La Bible dit le verset 3. A voice cried. Il y a une voix qui a said, Holy. Il y a dit Saint. Holy. Saint. Holy. Saint. In the Lord of hosts. Et le Seigneur des armées. And when he understood that the God he served is a holy God, et quand il a compris le Seigneur qui servait un Dieu saint, no one had to tell him. Personne ne lui a dit that the life he should live for such a God should be a holy life. Il a dit qu'il est supposé vivre pour ce genre de Dieu, un Dieu saint. Then instantly, instantanément, the holiness of God. De Dieu, made him to understand that he was a man of sin. That he was living in sin. That he was living in sin. Qui vivait dans le péché. The glory of God had yielded to him. La gloire de Dieu s'est radiée en lui. His eyes were open to see the sin in his dog. Ses yeux étaient ouverts pour voir le péché. His eyes were open to see the people he was living with. Then he said, what do you mean I've lived with men of unbelief? Il a dit que moi, non, j'ai vécu avec les gens qui avaient une langue marseille. But before then, even when he was lying, he never changed it to be anything. Avant ça, lorsqu'il ment, il n'a pas pris sa consideration. What makes his lips to be unbelief? Qu'est-ce qui a passé que la langue de Dieu? Because he used to lie. Langue pour mentir. Mais il prophétisait lie. Il prophétisait le mensonge. Mais il dit that are not true. Il dit les choses qui ne sont pas vraies. Ah, yes, il never knew. Et lui, il n'a jamais su. Until he beheld the glory of God. Jusqu'à ce que subitement il a vu la gloire. Until he beheld the holiness of God. Subitement il a vu la sainteté de Dieu. His sin was revealed to him. Ce péché était lui, était révélé. Then he knew that he was a man that was unclean. Il a su que c'était un homme qui n'était pas fort. And after that, et après cela, he understood. Il a compris que that the life he ought to live, la vie qu'il devait vivre, should be a holy life. But to be sent unto a holy God, pour un Dieu saint, for a holy God, pour un Dieu
walking with God. Marcher avec un Dieu saint. And that is the call of God upon our lives. Ça, c'est l'appel de Dieu dans notre vie. No matter how I preach it to you. Peu importe la prédication que je vous donne. No matter I shout in your ear. Peu importe le cri que je vous donne. Until your whole eyes open. To see and behold the holiness of God. Pour voir et voir la sainteté de Dieu. Until the radiation of God's holiness. Parce que la radiation de la sainteté entre en vous and reveal your sin to you. Et révèle l'esprit en vous. You can never understand. Vous ne pouvez jamais comprendre. That's why I always tell people. C'est ce que je dis à la personne aux gens. Personal encounter with God. Les incantations personnelles. It's a key unto holy lifestyle. C'est la clé d'une vie sainte. Personal encounter. Les encounters, les incantations personnelles avec Dieu. Ou non. Avec Dieu. Is the key. C'est la clé pour holy lifestyle. Pour une vie sainte. The Bible told us in 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15. From as he that taught you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. As he that taught you. Celui qui t'a appelé, qui vous a appelé, est saint. Is holy. Est saint. Be also holy. Soyez également saint. In all manner of conversation. Dans toutes les conversations que vous avez. How can you do that? Comment est-ce que vous pouvez le faire? When you don't know who that called you. Lorsque vous savez pas qui vous a appelé. Has he that called you ever revealed himself to you? Est-ce que celui vous a appelé s'est révélé en vous? Until you know him. Jusqu'à ce que vous le connaissez. And know the life he is living. Et savoir déjà les vies qu'il vit. And know everything and no, if not everything, and it's a bit around him. Pas toutes choses, mais quelques choses que le concernant, you never can know. Vous ne devez jamais connaître. What is needed? Vous ne devez jamais connaître ce qu'il veut sur ses besoins personnels. But notwithstanding, mais en dépit de tout ça, I am telling you today, je vous dis aujourd'hui, he that called me and you, celui qui vous a appelé vous et moi, is a holy God. C'est un Dieu saint. And the only life that I will live to meet you for the last day. Et le genre de vie que vous et moi nous voulons pouvoir le rencontrer le dernier jour est à holy lifestyle. C'est une vie saine. In all manner of conversation. Dans toute conversation que nous entrevoyons. Because it is written. Parce que c'est écrit. Because it is said. Parce que c'est dit. Be ye holy. Soyez saints. For I am holy. Parce que je suis saint. Then I cannot understand. Je viens de comprendre que when Isaiah saw God, when le prophète Isaiah a vu Dieu, it was ministered unto him. Ça lui a été annoncé. Isaiah, my servant. Isaiah, mon servant. You can see the God that served. Tu peux voir le Dieu que tu as été servi. I am a holy God. Je suis un Dieu saint. Isaiah, you must be holy. Isaiah, tu dois être saint. So after your work on earth, si bien qu'après ton travail sur terre, you can choose holiness à travers la sainteté, même in my kingdom. Tu peux me rencontrer dans mon royaume. I ask you again. Je vous demande encore la question. Ah, so I behold the holiness of God. Est-ce que vos yeux sont tellement saints de la sainteté? Has the voice of the Lord make you understand the lifestyle you must be? Est-ce que la voix de Dieu vous a fait comprendre déjà le style de vie que vous devez vivre? If your answer is no, si votre réponse est no, desire to see it. Et le désir de le rencontrer. Every call of every gentle call, tout appel juste a gentle child of God, tout appel juste pour un petit juste de Dieu. For God, Dieu is a holy call. C'est un appel saint. The Bible told me and you in Leviticus 11 verse 44. La Bible nous dit dans Leviticus chapitre 11 verset 44. For I am the Lord your God. Ye shall therefore sanctify yourself. Why sanctification? Pourquoi la sanctification? Why purification? Pourquoi la purification? That you may be holy. Pour que vous soyez saints. And ye shall be holy. For I am holy. Neither shall ye defile yourself with any manner of creeping that creepeth upon the earth. Verse 45. For I am the Lord that bringeth you out of the land of Egypt to be your God. Ye shall therefore be holy, for I am holy.
is God for you. Ceci est Dieu pour vous. Anyone that God has encounter with. Tout ce que Dieu a une incantation avec. The first thing he tells you. La première chose qu'il vous dit c'est. You have to know that I am a holy God. Je suis un Dieu saint. And everything you do for the holy. Et tout ce que vous faites, vous faites pour être saint. So I am the Lord your God. Donc je suppose que je suis ton Dieu. You shall therefore sanctify yourself. Vous devez alors vous sanctifier. And you shall be holy. Et il doit être pour que vous soyez saint. For I am holy. Parce que moi je suis saint. This is a call. Ça c'est un appel. For a genuine child of God. Pour un fils digne. Any call of God the master. Tout appel dans la vie de quelqu'un. Outside holiness. Hors de la sainteté. Is a call also eternal to you. C'est un appel. That's why it said in Matthew chapter 7, verse 21 down to 23. Matthieu chapitre 7, verset 23. Il y a certaines personnes le dernier jour. Though you said, I called you. Même quand tu as dit que je vous appelle. Though you did so many things in my name. Même quand vous avez fait beaucoup de choses à mon nom. And because you never asked to reveal my holiness unto you. Parce que vous avez demandé de révéler ma sainteté en vous. So that you carefully live a holy lifestyle every day. Et que vous devez vivre saint tous les jours. Everything you were doing, tout ce que vous faisiez, let the door into iniquity. C'était fait dans l'iniquité. And because of that, et à dépit de ça, where is iniquity abound? Donc, dans l'iniquité, vient. Here, dans la dame de l'éternel, ça vit comme une portion. Ça doit être une portion. Ça doit être une portion. So therefore, and on the term, what is that thing you are doing for the Lord? Quelle est cette chose que vous faites pour le Seigneur? As you understand in the morning. Ils n'auront compris ce matin. The call that everybody has a call. On a que tout le monde a l'appel. Everybody has a gift. Tout le monde a un don. But is that your call? Mais est-ce que vous appelez? Is that your gift? Est-ce que votre don? Is that whatever you say, the Lord has given to you. Ce que le Seigneur vous a donné, peu importe quoi. Has the holiness and righteousness of God been to you? Et cette justice a été révélée. Until this is done. Jusqu'à ce que ceci soit fait. No matter the gift I said I have. Peu importe le don que j'ai. No matter what I said I'm doing for the Lord. Peu importe ce que je suis en train de construire pour le Seigneur. All a work of iniquity. Tout elle travaille dans l'iniquité. The Bible told me and you in the book of Leviticus 1 verse 2. Dans Lévitique chapitre 1, verset 2, la Bible nous dit: Speak unto the children of man the solution and redemption terms worldwide. Parlez aux enfants de la montagne de solution et de la rédemption. And say unto them: Et leur dit, If any man of you bring an offering unto the Lord, est-ce que quelqu'un d'entre vous vient avec l'offrande au Seigneur? They shall bring offering of the cattle, even of the Lord, and of the flock. Pray for the Jesus Christ. Hallelujah. If any man shall bring an offering unto the Lord, si quelqu'un d'entre vous vient avec une offrande au Seigneur, let me stop you there. Bon, je m'arrête là. What God are you bringing an offering to? Qu'est-ce que vous amenez devant Dieu? If you and I will bring an offering of our lives singing unto the Lord, si vous demandez de vous apporter une offrande, venant de là en chantant, before presenting that offering, avant de présenter cette offrande, first of all, ask yourself. What kind of God am I bringing offering to? Quel genre de Dieu est-ce que je viens et j'apporte cette offrande? I'm about to preach the word of God. Je m'apprête à prêcher l'évangile. What kind of God am I preaching for? Quel genre de Dieu est-ce que je suis en train de prêcher? I'm about to sing unto the Lord. Je suis prêt à chanter. What kind of God am I singing unto? Quel genre de Dieu est-ce que je chante pour lui? And when the revelation of that God is being shown to you. Lorsque c'est la révélation de ce Dieu, vous montre la révélation, then you will know the sort of offering you will give to him. C'est en ce temps-là que vous saurez le genre d'offrande à lui donner. Then I have understood. J'ai maintenant compris que what Abel gave a perfect offering unto God. Pourquoi Abel a donné un offrande parfaite? Why Abel gave a perfect sacrifice unto God? Donc pourquoi est-ce qu'Abel a donné un offrande? Because he understood in Matthew chapter 5 verse 48. Parce que dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il a compris que the Bible said, be perfect. La Bible a dit, soyez parfait. For I am perfect. Parce que je suis parfait. Not only your body is perfect. C'est pas rien que votre corps. Everything you read
tu voulais être parfait. The offering should be perfect. Votre offrande doit être parfaite. The worship should be perfect. Votre louange doit être parfait. Anything you have the privilege to do for him. Puisque vous faites avoir le privilège. At any life you have the privilege to live for him. Toute chose de vie que vous pouvez vivre avec Dieu, should be lived perfectly. Vous êtes, on doit vous devez la vivre parfaite. Should be taught perfectly. Vous devez la faire parfaitement. So I am here to announce to us yet. Donc je viens vous annoncer que yesterday is gone. Yeah. Et hier c'est parti. From this moment, à partir de cet instant, whatever offering we want to give unto God, toute offrande que nous devons faire à Dieu, whatever service we want to render unto God, peu importe le service que nous voulons rendre à Dieu, must be rendered and given in holiness and righteousness. Doit être rendu dans la sainteté et dans la justice. Because the God we are giving it to, parce que le Dieu chez qui nous donnons ce don, is a holy God. Un Dieu saint. The Bible tells us in Leviticus 19, verse 2. Dans Lévitique, chapitre 19, verset 2. Again, speak unto the children of man for solution and redemption perpetual life. Parlez encore pour les enfants de la montagne de solution. Speak unto all the congregation of the children of Israel. Parlez dans toute la congregation des enfants d'Israël. And say unto them. Il a dit. And the Bible says, Liberty, let those who have ears hear. Qu'est-ce que les oreilles écoutent? I understand that you have concluded that everyone that I'm speaking right now, tous ceux à qui je suis en train de parler maintenant, people who have ears to hear, ceux qui ont les oreilles pour écouter, and I pray, et je prie, let me enter us, s'il y a quelqu'un de cela, have a ear to hear the word of the Lord. Qui a les oreilles pour la ear be open up in the name of Jesus Christ. Amen. Unto the children of Israel. Parlez à travers les enfants d'Israël. And you and I know that we are the children of Israel. That is special. Vous et moi savons que nous sommes les enfants d'Israël. The higher level Israelites. Un niveau supérieur des enfants. Alléluia. They shall be holy. Ils doivent être saints. They shall be holy. Ils doivent être saints. For the Lord of God. I am holy. Parce que le Seigneur est ton Dieu, je suis saint. For I, the Lord, your God, I am holy. Moi, le Seigneur est ton Dieu, je suis saint. Every introduction the Lord introduces himself to the people. Toute introduction que Dieu s'est introduit à ses enfants, his nature must follow. La nature doit suivre. He must let you know the nature of his. Ça doit être attiré à sa nature. The nature of God is his nature. La nature de Dieu est un Dieu saint. The nature of God is a holy nature. La nature de Dieu est un Dieu saint. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Brother, I want you to understand. Je veux que vous et moi vous sachiez que great and mighty things, les choses de God, unspeakable things, les choses dont on ne peut pas parler, is waiting. Ça vous attend? Or are waiting? Ça attend for people who have received this kind of great call. Pour ceux qui ont reçu cet appel, and people whose diligence is received, et pour ceux qui ont reçu ça avec une attention, and live after it, et vivre avec cela. The Bible told you la Bible dit à vous, in John 14, 1 to 3, Jean chapitre 14, verset 1 à 3, said, let not you have in trouble, yet believe in God, believe also in me. 2. In my Father's house are many mansions. And I want you and I to understand that in his Father's house, je veux que vous aimiez vous sachiez que dans la maison de son père, his Father's house is holy. La maison de son père est sainte. And every mansion there are holy mansions. Et tous les that if it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you all to myself. That where I am, there he shall be also. That's four. And whether I go, you know what? You know, ye don't eat before. And whether I go, ye know. And the way, ye know. This is a promise of those that have this kind of a holy call. Ça promet de ceux qui ont ce genre d'appel. Que no matter what is happening, what is the case of us, let not to have it trouble. But I'm going to prepare a place for you. Where I go, lorsque je reviendrai, I will take you to where I am. Je vais vous l'amener pour prendre. Now, see what the Bible told us in 2 Corinthians 7, verse 1. Regardez maintenant ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthians. For those who have sought promises, pour
pour ceux qui ont ce genre de problèmes, tu arrêtes de être in those mansions. Ceux qui sont prêts à aller dans cette montagne, you rest a holy mansion. Les montagnes sont in a holy kingdom. Dans un royaume saint. Il est in 2 Corinthians 7, verse 1. Having therefore these promises, et un autre promesse, having therefore these promises of living with Christ after, et un autre promesse de vivre avec le Christ après, having therefore these promises of following Christ when he shall come, et un autre promesse de vivre avec le Christ qui viendra, yet, dear beloved, chers frères, let us clean ourselves, que nous puissions nous purifier, from our filthiness, pour toute saleté, not from some, pas certains, from all filthiness, pour toute saleté, of the flesh, de la chair, and of the spirit, et avec l'esprit, perfecting holiness, avec une vie parfaite sainte, in the fear of the Lord, dans la peur du Christ, perfecting, rendre parfait, present continuous, rendre parfait, ça veut dire que un présent qui est dans le un tout continue de gérer. Present continuous holiness. Donc, le présent qui suit continuellement. Living a daily lifestyle of holiness. Vivre une vie journalière sainte. Living walk in holiness into his kingdom. Donc, marcher dans la sainteté, dans ce son royaume. So d'abord, si bien que everything about us, tout ce qui nous concerne, from this moment, à partir de cet instant, our steps, nos pas, our ways, nos paroles, our actions, nos actions, reactions, must be, va être, in consonance, en connivence, en relation, with perfection, avec la perfection, perfecting holiness, une vie saine parfaite, in the fear of the Lord, dans la peur du Seigneur. Why? Pourquoi? Because of the promises, grâce à la promesse, the Lord has promised in your eyes, le Seigneur vous a promis tout de moi, in the hope, en espérant que living with him, et en espérant vivre avec lui, on the last day, au dernier jour. That's why the Bible told you that in Hebrews chapter 12 verse 14. Pourtant, la Bible dit dans Hébreux chapitre 12 verset 14. Follow me, all men. Fais la paix avec tous les hommes. And holiness. Et avec sainteté. Why and? Pourquoi avec? Falling peace with all men outside holiness is useless. Fais suivre la paix avec les gens hors de sa sainteté. Whatever you do, peu importe ce que vous faites, holiness will be attached to it. La sainteté doit être attachée à cela. Are you a peacemaker? Est-ce que vous êtes un faiseur de paix? You must be a peacemaker in holiness. Vous devez être un faiseur de paix dans la sainteté. Whatever you are doing, peu importe ce que vous faites, and c'est avec holiness, avec la sainteté. You must be added to it. Doit être ajouté dans cela. Are you a good wife? Est-ce que vous êtes une bonne épouse? Being a good wife is not enough. Être une bonne épouse n'est pas assez suffisant. And holiness. Et avec la sainteté. Être bonne épouse avec la sainteté. Are you a good husband? Est-ce que vous êtes un bon mari? You are so caring. Vous êtes attentionné. You love your children so much. Vous aimez votre femme. You love your wife. Vous aimez votre épouse. Is that and holiness not attached to it? Il faut que cette sainteté d'être ajoutée dans cela. It's a waste of time. C'est un pain et une perte de temps. I don't know what you are doing. Je sais pas ce que vous faites. And you are doing it very, very well. Et vous le faites bien. You are being appreciated. Vous êtes on vous apprécie. You are a good giver. Vous êtes un bon donateur. But gossiper. Mais vous faites du commérage. You are a good preacher. Vous êtes un bon prédicateur. But envious. Mais vous êtes envieux. No matter how you do that thing. Peu importe ce que vous le faites. If that and holiness is not attached. Si cette sainteté n'est pas ajoutée dans ça, whatever you are doing, peu importe ce que vous faites, it don't offer destruction. C'est fait dans la destruction. That's why God tells us that God has born that young man. Le Seigneur a dit à lui, qu'est-ce qu'il veut? What can I do? Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? To inherit the kingdom of God. Pour avoir comme le roi de Dieu en héritage. And he said, il a dit, you shall not be able to accept all those things. Vous devez aimer votre voisin, prochain comme vous avez. Ah, monsieur m'a dit, this I have learned from my youth. Le jeune a dit, j'ai fait ça dans ma jeunesse depuis longtemps. Ah, when God got him, lorsque le Seigneur lui a scanné, il found out that everything he is doing is not outside holiness. Il a vu que tout ce qu'il faisait ça hors de la sainteté. And then he said, il a dit, for you to be perfect, pour que vous soyez parfait, all those things you got outside holiness, tout ce que vous avez fait hors de la sainteté, to everything, il faut
on ne le fait pas. And come and follow me and hold it up. Et suis-moi, je sais. And lead a whole land with me. Then heaven shall be yours. Et maintenant, le terrier sera avec toi. Can you see why many good housewives may go to hell? Vous voyez que certaines bonnes épouses iront en enfer? Can you see why many good husbands go to hell? Beaucoup de bons maris iront en enfer. Many people who did not find God to help the orphans. Plusieurs personnes qui ont construit les centres d'orphelinat iront en enfer. We do not hell. Qui sera en enfer? Because it's not done of God. Parce que tout ce n'est pas fait dans la sainteté. Nothing is done outside Christ. Il n'y a rien que vous faites hors du Christ. That can be done in holiness. Qui est fait dans la sainteté. And he told us that. Et il nous a dit que without wish, sans ce don, without that holiness attached to it, sans cet attachement à la sainteté dans cela, in all that you are doing, tout ce que vous faites, hell is guaranteed. Oh, l'enfer est garanti. Praise Master Jesus. Alléluia. I told them I 11 verse 11 verse 5. La Bible nous dit en Lévitique chapitre 11 verset 5. For I am the Lord. Je suis le Dieu that bringeth you out of the world. Je suis le Dieu qui t'a amené, or qui t'a amené hors de ce monde. Why did He bring you out of the world? Pourquoi est-ce qu'il t'a amené hors de ce monde? The Lord did not bring you out of the world to be the world. Le Seigneur t'a pas mis hors de ce monde pour que tu sois pour le monde entier. He brought you out of the world to make you worthy of His kingdom. Il t'a amené hors de ce monde pour être digne. And for you and I to be worthy of His kingdom. Et pour que tout ce monde soit digne de ce royaume. You must be worthy. Vous devez être saint. For I am the Lord that brought you out of the land of Egypt to be your God. You shall therefore be worthy, for I am holy. Il doit être saint, car moi je suis saint. Tu veux dire several introductions that God has introduced to the people six fois pour que les gens qui disent que tu dis avec les gens en parlant de la sainteté. He always tells them who he is. Il dit simplement qui il est and who he wishes us to be. Et qui il souhaiterait que nous soyons pour le bénin. That is the call of God. Ça, c'est l'appel de Dieu dans notre vie. That is the call that God has appointed man to serve. C'est Dieu qui a appelé le prophète. Pour la vie, et tu ne pars pas pour le voir la truc. Amener mes enfants dans la vérité. What is that truth? Quelle est cette vérité? Holiness! La sainteté. For I am the Lord of your God. Non, moi je suis le Seigneur ton Dieu. No one comes to the Father. Qu'est-ce que Dieu auprès du Père? Except by me. Rien que par moi. I am the way. Je suis le chemin. I am the truth. Je suis la vérité. I am et la vie. The life. Amen. So therefore, en tant que Père, for me to say I am called by God, pour que je puisse dire que je suis appelé par Dieu, it is outside that truth. Si c'est hors de cette vérité, everything I'm doing, tout ce que je fais, is a waste of time. C'est une perte de temps. John 14. Jean chapitre 14 verset 6, je pense. Praise the Lord. Hallelujah. I ask myself, je me pose la question de savoir, do you know the God that called you? Savez-vous le Dieu qui vous a appelé? Do you know the God that called us? Savez-vous le Dieu qui vous a appelé? If you don't know him, si vous ne savez pas, let me introduce you to him. Que je veux l'introduire. He is a holy God. Who demands nothing. Qui ne demande rien. But holiness. Mais la sainteté. Praise my God, Jesus. Alléluia. The Bible told them in Philippians chapter 3. La Bible nous dit en Philippiens chapitre 3, verset 7. From a set down. À partir de verset 7. For what is the gain to me? Those I counted lose for Christ. Those I told that young man. La même chose qu'il a dit à ces jeunes hommes. Everything I've achieved in this picture, outside holiness, all the sainteté, put them away. Il faut les laisser. Put them away. Il faut les laisser. And come and follow me. Et suis-moi. Verse 8. Say, yes, doubtless, I count all things but lose for the excellency of the knowledge of the Christ, of Christ Jesus, my Lord. For whom I have suffered the truth of others, and do count them but dung that I may win Christ. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêt? To do and win all those things. De faire partie de toutes ces choses-là. To win Christ. Pour gagner le Christ. It doesn't matter how much you do for Him. Peu importe ce que vous faites pour lui. It doesn't matter how serious you are. Peu importe votre intelligence, if it's not done to win him, si vous ne faites pas pour le gagner, it's useless. C'est
faites le. And how can it be done to him? Comment est-ce que cela doit être fait? Let it be done unto holiness. Que cela soit fait dans la sainteté. Unto righteousness. Dans la justice. Verset. That I may know him. Pour que je puisse le connaître. That I may know him. Pour que je puisse le connaître. What is this man? Mais cet homme a compris la voix de Christ. This man is working for him. Cette même personne travaille pour lui. For yet. Mais ici, that I may know him. I want to know him in holiness. Je veux le connaître dans la la sainteté. So that whatever I do for him, si je ne dis que je fais pour lui, I'm in holiness. That's it. I know him. Pourquoi je puisse le connaître? And the power of his resurrection, and the fellowship of his suffering, be made conformable unto his death. Let me, if by any means I may attain unto the resurrection of the dead. You see why I want to deal with other things. And seek his holiness. The holiness of God, la sainteté de Dieu, is worth fighting for. C'est ce que nous luttons pour. The holiness of God, la sainteté de Dieu, is worth striving for. C'est ce que nous devons mettre nos forces. For this cannot be done. Mais ceci ne doit pas être fait until you know the call of God upon your life. Si bien, c'est parce que vous connaissez le Dieu qui vous a appelé la porte. But I might go here. Pourquoi moi je puisse le connaître? And every when I know him. Et je pense que lorsque je le connaîtrai, my resurrection. Ma résurrection. Will be unto a holy resurrection. Sera une résurrection sainte. And if any one of us here. Et si quelqu'un d'entre nous ici. Also want to have a better resurrection. A besoin aussi d'une meilleure résurrection. Pour qu'on s'y qu'il faut une autre. Nous devons chercher la sainteté. Non à la volonté. Pas notre sainteté. Not what we know before. Parce que les gens nous connaissent avec moi, ils parce que les membres de l'église nous connaissent avec attached to God's holiness. Ce qui est attaché dans la, à la sainteté de Dieu, that God knows before. Que Dieu puisse nous connaître. Donc, so, as I said then, je me pose la question de savoir. What are those things I must cut and torn? Quelles sont ces choses que je dois me laisser par derrière? In order to win Christ. Pour pouvoir gagner le Christ. The Lord will lead to us all in the name of Jesus. Amen. Je vais relever cela pour le nom du Saint-Esprit. The Bible told you, la Bible vous dit à vous et moi, the way unto heaven, the way that leads to heaven, le chemin qui mène, that narrow way that leads to heaven, ce chemin difficile, ce chemin, that narrow way, the Bible spoke about in Matthew 27, verse 11 to 13, ce chemin tortueux que la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, that leads to eternal life, qui nous dit qu'ils amènent à l'une vie éternelle, is a holy way. C'est une direction sainte. A holy way can only lead to a holy place. Une direction sainte ne peut que nous amener dans un endroit saint. And the Bible makes us understand. La Bible nous fait comprendre que the people that can walk in that holy road, ceux qui puissent marcher sur ce chemin, the Bible told us in Isaiah chapter 35, verse 8. La Bible dit dans Isaiah chapitre 35, verset 8. And highway shall be there. And a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it. Yeah. He's serious. That's a serious. He's serious. That's a serious. No, I don't ask myself. Je me suis posé la question. I'm asking every one of us here. Je demande à tous ceux qui sont ici avec nous. How are we expecting rapture? Comment est-ce que nous pouvons espérer? How do I answer that Trinity on the last day we enter God's kingdom? Comment est-ce que dans ce moment nous pouvons entrer dans le monde de Dieu? When the Bible says the way is a holy way. Lorsque la Bible dit que le chemin c'est un chemin. And the unclean cannot pass therein. Et les impurs ne peuvent pas marcher sur ce chemin. If not going to meet God on the last day. Si nous ne voulons pas rencontrer le Dieu de la vie. I said that we want heaven to open, the heavenly gate to open for us. The first question you ask you. La première question qui va nous poser. What way did you pass through? Quel est le chemin que tu as utilisé? What way did you pass through? Quel est le chemin que tu as utilisé? You know what? C'est pourquoi? Where you were at? Lorsque vous étiez étudiant. I will always see you blessed. Je te vois toujours faire le progrès. Lying, mentir, hating one another. Haïr les gens. I have told you in my
a word. No one in such condition can pass that road. Personne avec ce genre de condition ne peut pas traverser ce chemin. Comment tu dois dire qu'il y a quel chemin alors que j'ai emprunté? So therefore, when I look at them, you cannot enter those people. Vous ne pouvez pas passer à le one. That should not be in a portion as this statue is portion. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. But now we study, in our heaven, in our saying amen, we should look into our inward. What is that thing that will qualify us to enter to that holy road? But the unclean cannot pass through it. But it shall be for those who were very bad. The foolish shall not enter therein. Foolish people cannot enter there. Who are the fools? Qui sont les gens? Those who know hell is real. Qui savent que la paix est réelle? And yet they are silly. Mais ils pêchent. Do I have permission now? Est-ce que j'ai la permission de dire before them? Dis, avant ça. Avant tout, all this part we are foolish. Vous êtes tous d'entre nous étaient bêtes avant ça. Because we don't know hell is real. Parce que nous savons que la paix est réelle. And sometimes I hate this one. Parfois, je hais cette femme. We all know hell is real. Nous savons que la paix est réelle. So, quelque chose là? Donc nous ne montrons pas cette amour. Mais all hell is real. Nous savons que l'enfer est réel. So, pourquoi est-ce que parfois, on fait le gouvernage entre nous. Are we not foolish? Est-ce que nous ne sommes pas bêtes? We are foolish. Nous étions bêtes. But I believe. Mais je pense que the Lord is the question. Comme le Seigneur nous montre sa grâce en ce moment. I'm telling us. Je nous dis à ce moment. Don't even think we enter the kingdom. Ne pas de rêve, ne pas de chemin. If you cannot pass through that holy road. Si vous partez dans ce chemin saint. Anything in us. Tout ce qui est dans nous, qui va tourner à tous les jours. Qui a fait ce que nous pouvons vivre comme les citoyens. The word of God is stretched from us in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. No lion shall be dead, nor any raven beast shall go upon the road. It shall not be put there, but the redeemed shall walk there. The redeemed. La rédemption, ou la rédemption a dû me redeem. Est-ce que vous avez reçu votre rédemption? The answer is yes. Si votre réponse est oui, redeem from where? Vous avez reçu cette rédemption. Where have you been redeemed from? Comment est-ce que vous avez reçu votre rédemption? Since you are idol. Si bien, si donc vous et moi, that if I redeem from everything. Si nous avons reçu notre rédemption de tout péché, but what? Mais une. The Bible says, la Bible dit, every other sin is still there. Tout autre péché sont encore là. Donc, il existe there, on s'en dit que, until we are totally cleansed of sin, jusqu'à ce que nous sommes purifiés totalement, our eternal redemption is not guaranteed. Notre rédemption éternelle n'est pas garantie. That's why we cry every day. Nous sommes devoir pleurer tous les jours. As the Lord revealed himself to Isaiah. Et le Seigneur a révélé ceci à Isaiah. Our thought is gone. Et il a touché sa lame. Why do not touch God? Pourquoi est-ce que ça a touché sa lame? Everything tout ce qui le concerne. Receive the grace of holiness. Ça aussi la grâce à la sainteté. May the Lord also touch our tongue today in the name of Jesus. Ah, Christ. Le Seigneur puisse nous donner de la lame aujourd'hui, nous puissions accéder à Jésus. Since we want to make heaven on the last day. Et si bien nous devons faire, nous souhaitons aller au ciel le dernier jour. Personal submission, auto crucification. Nous devons avoir une soumission personnelle. Et demander. Personal submission, une soumission personnelle, auto crucification, pour la crucifixion is demanded, est exigé. As Christ Jesus, comme le Christ Jésus, submitted himself, s'est soumis lui-même, to be crucified, pour être crucifié, for our redemption, pour notre rédemption. You and I also, vous et moi, must all present our body, nous devons présenter notre corps, for crucification, pour la crucifixion, auto redemption too. La rédemption. That's why the Bible told you and I in the book of Romans chapter 6. Dans Romains chapitre 6, verset 6 à 13. From the 6th down. Say, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Our body of sin must be crucified with Christ. For the call the president to crucify with Christ. So that we will not be attracted to sin again. Si bien que nous ne serons pas attirés par le péché. This is where we see life survive. C'est
raison pour laquelle nous manquons encore, this is why this trouble is here. Donc laquelle nous partons avec le péché. Our nature is being attracted to sin. Parce que notre nature est attirée par le péché. Because we still have that nature, si nous avons cette nature, that is still literally, qui est encore attachée, attracted sin. Qui est coupable et attachée avec le péché. Until we by ourselves. The Lord sees us in different ways. Le Seigneur nous voit d'une manière différente. And the way God sees you now, la main dans le Seigneur vous voit. Tell me how it will be on the last day. Déterminez comment vous serez le dernier jour. Then I ask myself, je me suis posé la question de savoir, how does God see me? Comment est-ce que le Seigneur nous voit? The Bible says in 2 Timothy. La Bible dit dans 2 Timothy, chapter 2, chapter 2, 20 to 22. 1 à 22. But in a great house, mais dans une grande maison, in a ministry, dans un ministère, and for the choristers, dans les choristes, and for the men of God, pendant les hommes de Dieu, and for the laborers, and the travailleurs, in the ministry as a whole, dans un ministère en tant que tel, there are not only vessels of gold and of silver, il n'y a pas que les édifices, but also of wood and but also of wood and earth. That wood is subject to fire. Et vous et moi, vous savez que le bois est susceptible au feu. That's why I always tell people. C'est pourquoi je dis toujours aux gens. Anything that enters hell, tout ce qui entre dans l'enfer, is equal to hell. Est égal à l'enfer. And when you are a wood among every other person, c'est lorsque vous êtes le bois avec des autres personnes, il m'a préféré de vous dire que vous êtes fire in hell. Vous êtes prêt à être un feu additionnel. There are vessels of wood. There are vessels of gold and silver. Il y a les édifices en or. These are the ones that fire cannot burn.
Ceux qui sont ceux que le feu ne peut pas brûler, alors nous avons présent encore un grand mariage. Et ceux et ceux sont préservés pour la vie. Nous avons un autre style de personne. The choice is yours. Le choix est le vôtre. Who are better or who are ex? Qui sont les compatriotes? Sont also honored. Celles pour le nom. Who are the silver and the gold? Qui sont le nom et le monde? Are also this honored. Some other is wrong. Certains sont des honneurs. Who are wood and earth? Qui sont le bois et la terre? What makes them wood and earth? Qu'est-ce qui les rend bois et terre? Because they have not given themselves autonomy. Parce qu'ils ne sont pas donnés dans la sainteté. What makes those are silver and gold? Qu'est-ce qui rend ces personnes or et bronze? Because they are going through pruning. They are going through pruning. They are pruned. Parce qu'ils ont été prunés. They are going through purification. Ils ont été purifiés. Everything in there. Tout ce qui est dans eux. That look at the edge. Qui appartient à la terre. Have been brought to me. Ils ont été purifiés. The one that stand there. Ceux qui sont pas là. You know the beauty unto salvation. Sont bien que pour le salut. They are not God personified. Ils ont été personnifiés. And I believe. Je crois. The Lord preserve those who are of God and still on this mountain. Le Seigneur préserve ceux qui sont those who are of earth. Et ceux qui sont de la terre, nous bring them out of that darkness. Le Seigneur va les amener hors de cette ténèbre, into his marvelous light. Juste sa lumière éternelle. But this cannot be done. Mais ceci ne doit pas être, peut pas être fait. Let me all do something there. Jusqu'à ce que tous les membres nous faisons ce jour. Pray a prayer now. Nous devons prier maintenant. If a man therefore purge himself, si un homme lui-même se purifie, if a man therefore purge himself, si un homme lui-même se purifie, are you ready to purge yourself? Est-ce que vous êtes prêt pour purifier? Are you ready and am I ready to purge myself? Est-ce que je suis prêt pour purifier? From this, à partir de ceci, what is that this in your life? Qu'est-ce que cette chose? Qu'est-ce que ça? What is that this in my life? Qu'est-ce que cette chose dans mon cœur? If a man therefore, si un homme purge himself, c'est purifié lui-même. From that spirit of envy, anger, and jealousy. Contre cet esprit de douleur et de envie. That lust. Cette perte. I don't know about you. Je ne connais pas ce qui vous concerne. What is that thing? Quelle est cette chose? That you must be brought to bear. Que vous deviez vous purifier cela. I want to stand up. Je veux que vous me just pray for a purge them again. Et dit père. Because cela is written in 1 Peter chapter 2 verse 9. Yet a chosen generation. Ça c'est une génération choisie. A royal priesthood. Une génération choisie. A holy nation. Une nation. This cannot be true. Ça ne peut être vrai. But you point yourself for that. Jusqu'à ce que vous puissiez, my brother, my sister. Mes frères et sœurs. Check yourself inwardly. Examinez pour un jour. And not that thing. You know yourself. Il me dérange de l'intérieur. Approche-moi, bûche, approche-moi, bûche, approche-moi, bûche. From that thing, par rapport à ce péché, make it God to see me as good. Il me voit comme un bois. Et sur la terre, I know as good. Mais comme I want to become diamant, good. Je veux être diamant. From now on, à partir de maintenant, Lord, please help me. Seigneur, aidez-moi. I stand to worry. Therefore, Seigneur, pure and holy. Therefore, I beg of you, triumph. We thank given as we are living. Stand to worry. For you, Lord, me back, Lord, me back. I stand to you, stand to you.
Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, Father, in the mighty name of Jesus, my Father and my Father, please purge me this morning. In the name of Jesus Christ, purge me, O Lord. Make me a sanctuary for yourself, O Lord. Father, purge me from this outside, O Lord. Anything in my life that is We all have genuinely presented ourselves to God right now. To purge us. To revive us. To become a sanctuary unto Him. As much as we ever live for Him, because it is in heaven in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Are you out there? You're not born again. The enrollment for this is the most accepted as Lord of the Seigneur. Give your life to Jesus. You to be and to be born. And become a sanctuary of God. I want to give us also for baptism. It's called The Lord of Holiness will use it to baptize you. Our most holy Father, we thank you. Bless you because you have come to reveal yourself to us, Lord. You have come to let us know the kind of life you desire us to live. That we may be qualified to come to you in heaven. Father, we have heard you. The power to do it is your excellent. Even as I surrender ourselves unto you, Lord, surrender the power and the grace of holiness unto us, O God. I bring this one study of God again to you, Lord.
Je présente ceci devant toi, Seigneur. Father, you are fidèle. Seigneur, il faut la force. You will encourage them. Il faut les encourager. You will empower them. Il faut donner la puissance. That they cannot go back to the world again. Il ne faut pas attendre le monde après cela. Help us all over. Aide-nous, Seigneur, Esprit Saint. To the end of the last day. Pourquoi la fin du jour? Help us with a vessel of wood and of earth to your presence. Nous serons les partisans. For our vessel of wood. Nous serons les partisans de ton nom. Jesus Christ, thank you. Amen. And look at the message that was just preached. Seigneur, je te regarde ce message sur mon chemin. I report the message of God. Et moi, je vous adapte le message. Every error that I found, I saw here on the last day. Et alerte tous ces erreurs dessus. Show me mercy. Montre-moi ta miséricorde. And show yourself mercy. Et montre ton plus ta miséricorde. I help us to go and be the doer of what we have preached. Et aide-nous à être le faiseur de ta parole que nous avons prêché. In Jesus Christ. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. As long as you are of God, so much for those things you employ you. Now that has been this message will be against you, so the sister of us. Amen. Praise the Lord Jesus Christ. Alleluia. Amen. The grace of God is also time. Blessing time. You are the king of my Jesus. You are the king of my
of God, as the Lord liveth, as the Spirit of the living God liveth, may God grant each and every soul on this mountain out there to live holy in every sphere of our lives, in Jesus Christ's mighty name. Amen. Praise Master Jesus Christ. Hallelujah. Shall we pray? Almighty and ever-living God, the holy, righteous, and worthy God, Father, we thank you, we worship you, we adore you. Thank you for counting us worthy, my Lord, my Father, to be among, my Lord, my Father, the handful that will gather today, my Lord, my Father, to lift up your name, to praise and worship you for whom you are. Lord Almighty, you are the qualifier of the unqualified. Thank you, Jesus, for your grace, for your mercy, for your faithfulness upon our lives. Lord Almighty, we never can take it for granted. That is why we say, oh Lord Jesus, you and you alone, with all glory, honor, adoration will be now and forevermore in the mighty name of Jesus Christ. Amen. And our Father, King of all glory, Father, as your word, I've said that those that you love, you chastise always. Father, we thank you, my Lord, my Father, for your timely admonishment that has come this hour. Lord Almighty, to remind us, my Lord, my Father, King of all glory. Father, Lord, that is required of us, my Lord, my Father, that the life that we live every day must be a life of holiness and righteousness, without which you say no one can see you. Father, Lord, you have spoken, my Lord, my Father. You have planted, my Lord, my Father, you have seen in the life of your children, the Lord, so much. Father, we pray, O Lord Jesus, by your mercy, Father, by your own self water, my Lord, my Father, the seed that you have planted this hour in the mighty name of Jesus Christ. Amen. For glory. Let the seed that you have planted, King of all glory, as a germinate, my Lord, my Father, let it begin to bear that fruit, O Lord Jesus, that fruit of holiness and righteousness, that fruit of holy living. Father, Lord, let it begin to spring forth in our lives in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Lord and our Father, we thank you for the blessing that we have you this hour, King of all glory. Father, Lord, King of all glory, to feed your children. My Lord and my Father, your word say that he that waters shall be watered, Lord Jesus. Father, Lord, may you water him back, Lord Jesus. Amen. Let him, Lord Jesus, Father, replenish him in million folds in the mighty name of Jesus Christ. Amen. For glory, Father, Lord, as I'm using as a vessel unto all of my Lord, my Father, to speak unto your children, Father, Lord, on that last day, King of all glory, Father, Lord, his crown of glory will never elude him, Lord Jesus. Amen. Jesus, to receive that incredible crown as well as every soul in this mountain in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Thank you for all glory, Lord. Father, Lord, every temptation or trial that Satan may bring across our way after this service. Father, Lord, my Lord, my Father, give us the grace to overcome in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Your children are going now, my Lord, my Father. Father, Lord, we never can never depart from your presence. Let your awesome presence continually, my Lord, my Father, abide, my Lord, my Father, and illuminate our life in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Jesus, Father, Lord, today starts a new week, my Lord, my Father. Father, Lord, everywhere that your children will go, my Lord, my Father, let your presence accompany with us, Lord Jesus. Wherever your presence will not be, our leg will not be there in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Yes, our letterbox will never receive any bad news in the name of Jesus Christ. Amen. Father, we will come out of our mouth to anyone in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. In this mountain, we have a point of contact with Jesus. Your word says that the children you give to all, they are for signs and wonders. Father, Lord, every opposing power that wants to say anything different from what you have said concerning our children, let those powers begin to drip for a cup of wrath and anger in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Thank you. We worship you, Abba Father. Daddy Lord, you've given us another privilege to bring our tithe and offering before you.
Father, Lord, as we lead it before you, my Lord, my Father, that the Lord will break in the form of glory. Sanctify it, my Lord, my Father, Lord Jesus Christ. My Amen. Lord, let it be accepted in your sight. Let the blessing that follow tithe and offering be the portion of your children in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Let it be devoured, oh Lord Jesus, that children have been strong in the aid of our finances. Father, Lord, raise a standard against them in the mighty name of Jesus Christ. Amen. We give you all glory. We give you all honor. For in Jesus Christ's most glorious name, we all have prayed with thanksgiving. Amen. I wish you the grace and fellowship. May the grace of our Lord, our God and Savior, Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, rest and abide with us all now and forevermore. Amen. Surely the Lord's goodness and his mercy is following us all the days of our lives, and Father, in the name of Jesus Christ,
And most time, Lord, that we thank you, Lord, that we give you.